L'objectif point de presse, c'est pour nous venir parler de lettre que nous déposons, qui est une lettre de dénonciation et une lettre en même temps pour nous faire des propositions avec le Conseil présidentiel de transition. Parce que, qui s'est passé? Nous connaissons que la jeunesse, c'est un secteur qui est vaste. Parce que en dedans, secteur jeunesse, il faut tenir compte de classe étudiante, il faut tenir compte de socio-professionnels, il faut tenir compte de groupements qui sont dans une zone qui est dans l'autre département. Parce que Port-au-Prince, pas résumé à Haïti, Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti. Pas une politique pour la jeunesse, pas une politique de développement pour intégrer la jeunesse. Ils ont tellement abandonné la jeunesse, ils ont tellement mis la jeunesse sous côté. Je dis à, je suis capable de dire option, jeune garçon, c'est plus que mes amis légaux, c'est entrer dans la gang, passer pour jeunesse à chercher où travail, pour chercher où l'école, etc. Mais nous-mêmes, Bloc Populaire National, nous dit, politique pas nous, c'est livre nous, offrir à la jeunesse, c'est profession nous offrir à la jeunesse, c'est une autre alternative que nous voulons offrir à la jeunesse. C'est pour raison ça qui fait que, eh bien, nous pas d'accord. Et les gens n'ont pas fait bagarre de façon traditionnelle, les gens ont toujours fait là. N'ont pas chita avec aucun groupement de la jeunesse, quelques groupements jeunes, sans concertation, sans consensus, sans n'ont pas fait un colloque, et bien n'ont dit c'est eux-mêmes qui représentent le secteur jeunesse. Nous-mêmes, Bloc Populaire National, nous dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va passer. Nous applaudissons CPA parce que aujourd'hui, ils ont pensé avec jeunesse. Parce que aujourd'hui, ils ont une opportunité à la jeunesse pour représenter notre pouvoir, notre prise de décision qui est bon pour le pays. Mais cependant, nous avons dit, conseil présidentiel là, méthode d'utiliser pas, pas bon, méthode d'utiliser pas, et nous revendiquons ça. On a nous, ça dit nous revendiquons ça. Nous pas à souhaiter et pour bagaille ça al déboucher sur un bagaille qui est grave, sur catastrophe. Nous pas à souhaiter dans jour cabinio pour c'est obligé à venir faire sitting pour la ria, faire manifestation. C'est pour ça nous dit avec conseil présidentiel transition. Si y a besoin représenter secteur jeunesse, mais ça fait. Il y a mettre en commission, c'est ça nous proposer. C'est mettre en commission interjeunesse qui pourra rencontrer toute jeune qui dans tout département chita avec eux. Même si on te fait Montana, même si on fait un bon accord le 21 décembre, on fait un bon groupe contre oui contre c'est pour nous rencontrer et pour rencontrer toute organisation jeunesse qui gagne, toute société jeunesse qui gagne, classe étudiante non et puis comme ça qu'on a fait, n'a privé joindre un compromis ou bien un consensus et à partir de consensus là n'a mettre une entité qui a plusieurs représentants l'ouest, nord, sud, vous comprenez? Vous comprenez? N'a bien ouais, sud-est, n'a une entité comme ça et puis c'est entité ça qui a un mandat après consensus nous vienne joindre capable de représenter le secteur jeunesse là dans le conseil présidentiel là. Donc c'est ça que nous proposer et nous pensons que c'est la meilleure formule si on veut un secteur jeunesse réellement et si on veut venir avec un programme pour la jeunesse. Mais ça va pas empêcher nous-mêmes de nous avancer qu'avec la même ça nous devons faire passer. Quand tu dis lui-même là, Stanley, Junior et mes alliés, c'est un amour qui va répondre à tous les critères de tout ça que les exigences constitutionnelles et de ça que la pays là. Et ça va pas permettre que ça va tout là nous-mêmes pour nous avancer. Et nous passons nos dire là, ça va être ce qui la fait, mais ça va pas dire de nous pour prendre des positions qui sont idéales et pour bien-être pour le pays. Et Stanley, Junior, mes alliés, nous pourrons. Inscription libre, comme lui-même qui est proposé pour le Premier ministre, pays à nous estimer qui sont jeunes qui capotent des revendications. Mais ça, c'est des exercices. Non, pays démocratique, républicain, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui pour le monde, des gens qui comptent là. Et je dis à c'est très mal pour nous trouver encore dans qui est un pays. Comme si nous passions un exercice, même ça, il n'y a pas de bagaille pour le faire là.
mais nous ne pouvons pas ignorer l'existence de ça parce que c'est un pays qui est trop manger d'hommes. Moi-même, je suis citoyen engagé. Moi-même, je fais partie de PAM. Je suis là pour me dire vive une entité. Non, moi, je m'estime que qui a apporté une solution. Moi-même, je ne suis pas l'ami comme si lui-même n'a descendu. Mais pour raison comme si lui-même, nous l'avons gardé dans la présence de monsieur en tant qu'un jeune qui a une velléité, qui a un savoir-faire et qui a une fougue. Et qui sont jeunes entrepreneurs, nous allons entrer à faire dans tout esprit de divergence. Là. Nous venons courir candidature, monsieur, en tant que citoyen avisé, en tant que citoyen authentique, en tant que grand monde comme si qui estime que le pays n'a pas arrêté dans ces années-là, il faut qu'il y ait des jeunes, de talents, de monde qui sont capables de porter une meilleure solution par rapport à nous.